Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce quatrième tournoi national qui se déroule à Dreux, près de Paris. Donc nous allons assister au quart de finale qui va opposer Yannick Bofis face à Paul Codric et je suis en compagnie de Tatiana Padilla. Bonjour Thibaut, comment Bonjour tu Tati. Vas Ça va et toi? Ravie de faire partie de cette petite aventure, hein, de commenter donc ce beau quart de finale, j'en suis sûre, opposant Yannick, comme tu l'as dit, et Paul. Des joueurs d'expérience, des joueurs qui jouent depuis très 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 longtemps. Et je sais que Yannick, j'ai eu l'occasion de le voir juste avant jouer, il a mis 6 sèches sur cette partie, donc c'était très chouette. Donc c'est Yannick qui a eu la casse, donc c'est lui qui démarre. C'est ça, donc Yannick, champion du monde en titre, hein, on ne le présente plus, numéro 1 de la saison de l'année dernière. Face à Paul Codric, pareil, hein, champion du monde par équipe. Hein, ces deux joueurs ont joué ensemble lors des derniers championnats du monde à Albi. Par équipe. Donc Yannick, toujours une casse très impressionnante. C'est ça, très méticuleux dans son positionnement. Ouais. Prend toujours le temps de casser. Ça va payer pour le coup. C'est ça, et puis la petite particularité de Yannick sur la casse, c'est que la blanche... En fait, lors de l'impact sur la première bille, saute. Ouais. Et c'est pour ça que c'est un peu des cases d'Américains, hein, puisque Yannick est un genre de billard américain de base. Donc, ce qui nous donne de très très grosses casses. Il a énormément travaillé sa casse, on en parlait encore tout à l'heure. Effectivement, c'est une casse un peu comme quand on casse à l'américain, on y met tout son poids. Et là, il casse toujours de la même façon, avec toujours la même vitesse de blanche. Et généralement, sa blanche est quasiment toujours au milieu. Et elle, comme tu l'as dit, il l'envoie tellement fort qu'elle saute un impact de la première bille. Donc c'est là, ça. Il part sur les jaunes, Paul. C'est ça, il y a une aucune... table qui est quand même super ouverte. Hein. Ouais, aucune grosse difficulté. Il y a peut-être juste la jaune à côté de la rouge, où il va bien falloir se replacer dessus. Mais... Là, il va jouer sûrement la bille qu'au milieu. Se placer ensuite sur celle qui est juste devant. Après, logiquement, si se place comme il faut, ça devrait le faire. Je me rends pas compte si elle passe là, la jaune, tu sais, qui est entre. Ah, qui juste... passe ouais. en. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit espace. Il y a un petit peu de travail quand même. Alors, rappelons-le pour les téléspectateurs. Chaque coup se joue en maximum 45 secondes. On n'a pas l'impression, effectivement, quand on regarde, on a l'impression que c'est long. Par contre, quand tu es sur la table, à réfléchir, le temps passe vite. Ouais, c'est ça. On a l'impression que 45 secondes, c'est long. Mais et en fait, quand on joue, ça passe très, très vite. Puis Yannick, c'est un joueur qui prend son temps. Il dépasse jamais la minute. Jamais 45 secondes surtout. C'est ça. Il est toujours à la limite, mais il joue son coup. En fait, on en avait parlé et il disait que il prend le temps qu'on lui donne. Exactement. S'il a 45 secondes pour jouer, il prend les 45 secondes. Après, ça sert à rien de se précipiter à partir du moment où tu as le temps. C'est ça. Après, ça dépend aussi de ton rythme. Il y a des joueurs qui aiment bien jouer sous l'impulsion de jouer vite, parce que ça leur permet effectivement de ne pas réfléchir et de se poser. Et puis surtout, pas de se poser de questions, surtout. Oui. Mais Yannick, effectivement, c'est une précision. Il aime bien se poser. Il est très, 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 très scolaire. Et du coup, c'est un bien, parce que c'est sa façon à lui. Et effectivement, c'est plutôt payant. Alors là, par contre, Paul, il ne s'est pas placé. Ouais. De la meilleure des manières. Non, là pour le coup non. Ouais. Je pense qu'il hésite à juste la pousser pour la jouer au milieu. Après la replace sur la noire, elle sera peut-être pas aussi simple que ça. C'est ça, et puis en plus c'est un angle fermé, donc déjà il va falloir assurer l'empochage, mm-hmm. qui est déjà pas évident. Mais tu vois, oui, effectivement, il la joue bien au milieu. Et en plus après, de ça... ça se fait, hein. Oui. En plus de ça, il va devoir forcer un peu son coup avec du coulé pour pouvoir la jouer ensuite au milieu. Parce que je crois qu'elle passe au milieu. Hein.
Ouais, elle passe au milieu. Faut juste... Oui, après, là, il a quand même le bon angle. Hein. C'est quand même bien, bien placé. Voilà, super. Voilà, donc là, c'est easy. Easy pour Paul. Donc voilà. Première partie, donc... Partie sèche. Partie sèche pour Paul. Donc, du coup, il va se retrouver, il va se retrouver à la casse maintenant. C'est ça. C'est donc... vrai que les premières parties sont quand même très importantes, même si on est en 7. C'est quand même, ça va quand même assez vite, surtout quand on est face à des joueurs comme eux deux. On peut dire qu'il y a quand même beaucoup de sèches qui sont sorties à chaque jeu. C'est ça, parce que même si c'est en 7, à partir du moment où on est mené 5-1... C'est difficile de remonter. Puis les premières parties sont généralement les plus importantes. Ça donne le ton tout de suite du match. Alors je ne dis pas que ça se passe à chaque fois comme ça, mais en revanche, ça donne déjà un aperçu de ce qui va se passer derrière. C'est ça. Donc, pour parler un petit peu des résultats des joueurs, Yannick devait jouer, je dis bien devait, car il devait jouer Léo Strosska. Malheureusement, Léo est forfait parce qu'il participe justement à l'Ultimate. En Angleterre, c'est à ça. Blackpool. Donc l'Ultimate, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le circuit professionnel, entre guillemets, de, un peu comme l'IPA, où il y a tous les plus grands... tous les plus gros joueurs qui y participent. Donc, étant donné que Léo n'était pas là, Yannick a gagné par forfait et il a battu Sébastien Goli sur le score de 7-1. Donc, tu me disais qu'il avait fait 6-7. Oui, parce que je l'ai arbitré. J'étais arbitre de temps sur leur partie. Effectivement, il y a eu 6 sèches. 6 sèches sur 8, ça on voyait quand même. Après, Yannick a fait des très, très, très belles casses. Sébastien, malheureusement, a empoché seulement une fois à la casse. Il n'a pas eu trop de chance. Donc, du coup, malheureusement, il n'avait pas le choix au niveau du jeu. Donc, c'était un petit peu plus compliqué. Après, Yannick l'a très vite, entre guillemets, étouffé, si je peux me permettre de parler comme ça. Il ne lui a pas laissé trop l'occasion de jouer. C'est vrai que Yannick, quand il a le feu, c'est compliqué. Hein. Oui. C'est compliqué pour le joueur qui est en face. Il trouve le temps long. C'est ça. Donc, Paul, lui, qui a cassé, il est parti sur le jeu rouge. Ouais. Alors, il a décidé d'aller attaquer le venir long jet de bande. Je ne sais pas s'il a... Là, je vois pas trop, mais je ne sais pas s'il peut venir la chercher, la rouge, et venir casser la rouge, là. Oui, effectivement, bah, c'est ce qu'il a fait. Bon, il rate l'empoche, mais il est venu... il voulait venir la chercher tout de suite. Hein. C'était la seule difficulté, enfin, en tous les cas, la seule. Celle qui ne passait nulle part. Donc, il est venu la sortir tout de suite, mais effectivement, il ne l'a pas empoché. Ouais, et puis du coup il libère le jeu entre guillemets de Yannick. Alors il y a juste effectivement la jaune qui est près de la noire. Alors soit venir juste la toucher pour qu'elle passe, sinon bien se replacer dessus. Je pense pas que la noire elle passe non plus, hein, tu vois, dans les deux poches du bas. Je suis pas persuadée là. On voit pas avec le cadrage là qu'on a. Si elle doit passer, je pense, avec le biseau, je pense qu'elle doit passer à la bonne vitesse. Ouais, elle est embêtante quand même, la rouge qui est en bas, là, qui est à droite. Là. Ouais, alors, ce qu'il pourrait faire, c'est justement jouer la bille en haut avec l'appui. Appui rouge pour libérer la poche. C'est ça, comme ça il pourrait jouer et la jaune et la noire dans la même poche. C'est ça. Après, t'as aussi la jaune. Ouais, là il faut qu'il se presse là. Il ne reste plus grand chose en termes de temps. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Yannick prend son temps. On l'a vu courir pour éviter la faute de temps. C'est ça. Et là, je pense qu'il va directement partir sur ce qu'on disait, c'est-à-dire jouer sa bille en haut avec l'appui. Ah, je ne suis pas persuadée, moi. Non. Je ne suis pas persuadée parce que il a quand même plutôt le bon angle pour venir chercher la jaune, tu vois, qui est sur la bande. Ou tout du moins, peut-être même juste passer derrière pour pouvoir la rejouer dans la même poche ensuite. Ouais, tu vois. Après, il se place un petit peu loin. Le risque, quand tu viens chercher une bille qui est collée à la bande comme ça, tu sais jamais, si tu la joues pas suffisamment bien,
tu as toutes les chances de la recoller ou de la décaler juste un petit peu plus loin après la poche du milieu. Et au final, tu te laisses la même difficulté. Alors que là, si tu la joues juste de façon à pouvoir la jouer dans la façon sans la toucher, mais juste te placer correctement derrière. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le risque, c'est quand on bouge des billes qui passent, c'est justement soit d'aller les coller ou... ou de la rendre plus difficile que ce qu'elle l'était. Alors je vois pas trop. Non, moi non plus, je vois pas. Peut-être qu'il voulait. Alors, ouais. Parce que tu vois, à la limite, je pense que c'est un peu plus compliqué. Parce que tu jouais la bille, tu vois, qui est sur la bande, et elle redescendait. Tapant bande ici pour remonter. Après, il avait peut-être un angle qui n'était pas top, mais il aurait pu jouer la jaune là dans la poche qui est ouverte, dans le seul endroit d'ailleurs où elle passe en bas. Et puis ensuite, il repartait sur la bande pour repartir, pour rejouer la noire dans la même bande. Je ne sais pas, dans la même poche. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça se fait encore, mais c'est dur quand même là. Voilà. Ouais. Effectivement. Alors, je ne suis pas sûr que ça passe là. Alors, est-ce qu'il a un peu de réussite et... Ouais. Il la voit pour la tomber. Je trouve pas que ce soit de la réussite. Hein. Il a quand même tapé la rouge. Oui, oui. Parce que final, tu vois, s'il prenait la rouge avec un angle différent, parce que je pense qu'il voulait vraiment la prendre pleine bille de façon à bien s'arrêter et avoir le bon angle pour jouer la jaune. Mais si, je pense qu'elle passe. Hein, parce qu'il... Ouais, en tous les cas, on dirait qu'il la joue pour... Ah non. Ah non. Et non. Oui, là, c'est plus chiant par contre. Hein. Petit demande. Oh. Ouf. Aïe. Ouais, Paul qui a une belle table encore. Hein. Pas de réelle difficulté. C'est juste du placement. Ouais, on sent Yannick là, il est un peu agacé là. Même s'il le montre pas, hein. C'est pas trop son genre à montrer ses émotions. Mais bon, c'est vrai que je le connais suffisamment pour... pouvoir dire ça, je pense. Ouais, ça commence à faire. On se connaît, je pense, depuis plus de 30 ans. Donc, quand on parle comme ça, ça rajeunit pas. T'as le droit de rigoler, Thibaut. Oh, moi, j'étais pas né, donc. Allez, bing. Prends ça. Ouh. Par contre. Ah ouais, là, c'est pas la meilleure des replaces, là, pour le coup. Alors, j'ai envie de dire, à la limite, si. Oui, s'il décide de snooker. Ouais. Parce qu'à la limite, là, je pense pas qu'elle passe. Quoique. Je pense pas qu'elle passe. Il place son jeu. Ouais. C'était la meilleure des choses à faire, hein, par contre, là, pour le coup. Parce que après, bien sûr, hein, il prend un risque. Il prend un risque. Après, la sortie de sneak, elle est pas facile. Et encore plus pour rentrer la bille. Bien sûr, hein, comme à partir du moment où on te laisse la table, t'as toujours un risque. Ouais, et puis. Moi, là, c'est quand même pas easy. Hein. C'est pas easy. Et puis, en plus, il a pas beaucoup de marge. Parce qu'il y a la rouge sur le passage. Non, il y a la rouge qui l'embête, ouais. Ah, je les aime pas, moi, celle-là. Oh. Ah. Ouh. Il va y avoir une dinguerie, quand même, hein, avec la rouge, là, au passage. Ouais. Et le pire, c'est qu'il était plutôt bien placé, quand même, derrière. Ça se rentrait, la noire. Hein. On revoit un coup puissant. Elle passe pas. De mémoire, pas loin. Ouais. Ouais, il a abusé. Bon, bah là, pour le coup, le jeu, il est quand même plus ouvert. Ouais, il a la bonne dominante, là, pour jouer... pour jouer la bille le plus à gauche. À droite, sur l'autre écran. Après, jouer, voilà, il va jouer avec la ligne. Non, c'est bon. Ça va, ça. Ouais, ça va. C'est vrai qu'avec l'écran, on a l'impression qu'il est trop long, mais. Ouais, c'est pas le même effet que quand tu le vois directement sur la table. Ouais, ce qu'on disait, elle a pas trop de difficultés là. Ça fait 2-0. Bon, tant que la bille n'est pas rentrée, hein, c'est ça. Faut attendre. Il est un peu revenu trop. Bon, après. Oui. On est bien d'accord, c'est qu'une visée. Mais bon, voilà. Hein. Ah,
Ah, donc voilà. Bon, là, du coup, ça, on peut le dire, ça fait 2-0. Donc 2-0 pour Paul, qui, lui, a joué. Il a joué Thomas juste avant, de ouais. mémoire, Thomas Louboutin, qui avait fait une super belle, entame de tournoi ce matin, puisqu'il a gagné 7-0 contre Baptiste. Oui. Baptiste Châtelet, il ne l'a pas laissé jouer. Hein. Baptiste, je peux le dire, puisqu'il est dans, mon équipe, enfin, dans notre équipe de Dinard. Il a senti le temps, même si c'était rapide, le match a été très rapide, mine de rien, c'est 7-0 et bien comme il faut. Il était bien, bien, bien réveillé, Thomas. Bah oui, en plus, ces deux joueurs qui n'avaient pas réussi à passer de mémoire un tour depuis le début de la saison. Donc Paul, lui, a battu Sabria Brunet au ouais. premier tour. Tout à fait. 7-3, je crois. 7-4. 7-4, d'accord. Donc 7-4, et ensuite il a battu Thomas, du coup, sur le score de 7-2. Oui, sans appel quand même. Yannick à la casse. Ouais. Voilà, on là, voit on la blanche. Vu, hein, la blanche qui a sauté. Hein. Grosse casse, ça empoche. Contre, ouais. Ouais, alors, ça empoche. Un jeu assez fermé quand même. Hein, ouais. Là, il y a quand même un peu plus de travail. Hein. Déjà, ne serait-ce que sur les jaunes, là, c'est un peu plus compliqué, même les rouges. Hein. Ouais, les deux jeux sont pas les simples. Les deux jeux, c'est pas hyper easy. Il y a quand même un peu de boulot à faire. Hein. Il y a un départ jaune et alors le jeu qui serait le plus ouvert entre guillemets ce serait les jaunes. Ouais, ça reste les jaunes parce que la rouge qui est en bas là qui est à côté de la blanche là, celle-là elle est... Puis t'as la rouge aussi qui est proche de la noire. Ouais. C'est vrai que les jaunes sont mieux. C'est ça en fait, les rouges. Il y a celle qui est collée à la noire, il y a celle qui est en haut de table, il y a celle qui est collée à la... Puis t'as la rouge aussi qui passe nulle part, qui est entre les deux jaunes, là, sur la bande latérale. C'est donc, ça, donc en toute quand logique... Il y a quand même du boulot, quand même. En toute logique, il choisit les jaunes, mais ça reste une table assez difficile. La noire est emprisonnée, et il y a les deux billes collées bandes. À l'opposé, là, de la blanche, d'ailleurs. Première demi-finale sur le billard 26. Émeric, Luno, Gabriel, Coelho. Billard 26, Émeric, Luno, Gabriel, Coelho. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Tu jouerais quoi, toi, là? Imagine. C'est pas Yannick, c'est toi qui joues. Tu jouerais quoi? Mais non, maintenant, c'est trop tard. Déjà, ouais. Est-ce que tu aurais joué ça, d'ailleurs? Tiens. Oui, moi, j'aurais fait le coup d'attente. C'est-à-dire que je... Bah, c'est un guillemets. Peu plus prudent parce que là, c'est ça, en fait, c'est quand même dur. Là. La table est trop compliquée pour aller à fermer. Il y a les deux billes qu'on parlait qui collent à la bande. Qui collent à aller, la bande, ouais. Et plus la noire. Donc, il y a non, un peu c'est. Trop de travail en un c'est coup. Ça, c'est intelligent de la part de Yannick de savoir ce qu'on appelle temporiser son attaque. C'est-à-dire, quand on voit que la table est compliquée à aller fermer, on fait un coup d'attente. Donc on place son jeu, on fait en sorte que l'adversaire ne puisse jouer dans de bonnes conditions. Donc, de rien, c'est bien joué ce qu'il vient de faire, Paul. Parce que du coup donc, il ne voit pas la bille qui est en poche, on est d'accord. Après, j'aurais tendance à dire, attention, revois. Ouais. Il va jouer, tu vois, la bille qui est... Tu vois, qui est vers les rouges, là. Ouais, il a voulu. Ouais, il a voulu, tu vois, faire d'une pierre deux coups. À mon avis, rentrer la jaune qui était en poche. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu être top. Hein. Ça aurait pu, mais c'est pas mal non plus. Oui, c'est peut-être pas plus mal que ça reste. Qu'elle soit pas rentrée, je pense. Après, on n'est pas dans sa tête. Hein. Pas dans sa tête, mais une chose est sûre, on avait vraiment l'impression qu'il voulait venir la rentrer, là, la bille qui était en poche. Ou alors peut-être pas la rentrée, mais juste la placer en poche. Non, parce qu'elle est déjà... Tu sais, je te parle de la jaune. Ah, tu parles de... D'accord. Ouais. Moi, je pense qu'il voulait effectivement rapprocher la bille bah, qu'il a jouée pour la rapprocher sur la poche de droite, là. Mais par contre, il voulait faire d'une pierre deux coups et assurer la... Non, la poche de la bille tout en haut. C'est bien joué. Ah bah non. Est-ce que c'est pas... Alors. Pardon. C'est bah disons qu'il alors, ça va être compliqué là hein, par contre hein. La rouge là-haut là
Oui, alors à la limite, il peut peut-être y aller maintenant, mais alors en fait, il débloque son problème, mais en même temps, il débloque le problème de De Yannick. Yannick. Donc, disons qu'il faut pas se louper. C'est exactement ça. D'autant que la rouge, là, maintenant, c'est le caca qui est à côté de la noire. Alors, à moins qu'il vienne peut-être la chercher tout de suite. Il va aller la chercher Je pense qu'il va maintenant. aller la chercher, là. Il a Il a l'angle pile dessus. l'angle pour venir la Ça. récupérer, ça passe. Par contre, il se colle, il se met Ça au-dessus de la rouge. reste encore compliqué, hein. Non, je pense qu'il va jouer, tu sais, la rouge qui est vers la jaune, là. Mais il va la jouer en bas. Hein. Ouais. Il va la jouer en bas. La noire passe. Ouais, il a débloqué la noire. Alors faire attention parce qu'il n'a pas un chevalet non plus. Très simple. Ah, il décide d'aller jouer en haut. Ouais, bizarre. J'aurais peut-être plutôt joué l'autre. Je suis pas l'experte en lecture de table. Mais ouais, t'aurais pas joué l'autre de côté? Je trouvais plus simple à jouer. Après, c'est lui qui est. En fait, faut voir avec son ressenti. Peut-être que lui, justement, il le voyait plus comme ça. Après, comme je disais avec Julien sur un précédent match, la lecture de table, en fait, elle est propre à chacun. Elle dépend de ses moyens. Bon, après, on est bien d'accord, on est sur des joueurs de très haut niveau. Je vais pas dire qu'ils savent tout faire, mais presque. Ils savent faire pas mal de choses. Ils ont une large palette technique Leur qui. permet et à la fois de rattraper et à la fois de compenser, même s'ils sont un petit peu en dehors de la zone qui s'était donnée pour la replace. Tu vois, C'est ça, on voit. Hein. je pense qu'elle aurait été peut-être plus simple. Je pense qu'il prenait moins de risques s'il jouait l'autre. Mais bon, on ne le saura pas. Hein. Non. Faudrait la replacer et retenter. On... Là, je suis pas sûre qu'Yannick soit d'accord. Donc là, Yannick, il a une table assez ouverte. Il y a... Ouais. C'est Dans juste tous les cas, de... beaucoup mieux que tout à l'heure, c'est sûr. C'est ça, il y a juste de l'application, de la concentration à avoir. Il y a peut-être juste la bille que Paul a décollée tout à l'heure. Oh! Non, parce qu'elle passe en fait. Elle passe la bille au milieu, telle qu'il a décollé là. Moi, D'accord. je pense qu'elle passe. On a vu une vue tout à l'heure où. Alors, je sais pas si elle passe bien ou... En tous les cas, là, sur ce plan-là, quand on regarde, on a l'impression qu'elle passe. Moi, enfin, je pense que le mieux ce serait de jouer justement la bille que Paul a décalée, mais au fond. Au fond, possible. Disons que Yannick alors, prend moins de risques et en même temps il peut se le permettre. Au pire, dans le pire des cas, il bloque la poche. C'est Voilà. ça. Ouh. Comme ça, il peut jouer en bas à gauche sur votre écran. Au milieu, jouer du coup la dernière bille en poche et se replacer sur la noire. Dans la lecture de table la plus Ouais, je pense que logique, c'est ce ça serait qui est la ça. lecture de table. Donc là, il va partir un petit peu en rétro pour justement aller se... Alors pas se coller à la bande, mais être le plus proche de la... Ah non, il décide de partir en coulée. Revenu vachement près de la bille, hein, quand même. Ouais, moi je pensais Ouais, qu'il justement je pensais pas qu'il allait jouer comme ça en fait. Donc il va la jouer en bas à gauche du coup. Non, il va faire un coup Non, d'attente. il va faire un coup d'attente, je pense, non. Ah, quoi que non, on dirait pas. Hein. Si, Ah si, c'est c'est parfait. bien joué. Bah, limite, c'est plus prudent quand même, hein. Même si voilà, il aurait pu la tenter, c'était quand même difficile quand même. Ça a été un sacré angle. Non, c'est... Je pense que le coup d'attente Bien sûr. était le plus judicieux. Parce Ouais, que même bon, c'est derrière, s'il la rentre, le contrôle de blanche... clair. Donc au moins là, il prend pas de risque.
Donc la pole. Pour jouer la bille au milieu. Ouais. C'est bien joué parce que en fait, bon, il regardait bien sûr pour la jouer, mais en fait, je pense qu'il regardait aussi par rapport à la blanche. Où est-ce que ce serait le plus judicieux de le placer, ouais, de façon à ce qu'il puisse pas avoir une attaque aussi simple. Je sais pas s'il voit la jaune qui est en haut là. Ouais, on dirait que s'il la voit. S'il la voit, effectivement, c'est plus simple là, pour le coup. Là, on a l'impression sur l'écran que ça passe pas, mais ça passe. Nicolas Rimbaud. C'est impeccable. Mathieu Vagon, c'est impeccable. Nicolas Rimbaud. Voilà, c'est juste une visée. Et oui. Rien de bien compliqué. Bon, beaucoup de flèches là, hein, quand même. Ouais, c'est ce que je pensais, mais. Bon, après. Yannick qui maîtrise, hein, un sacré contrôle de blanche, donc pas de problème pour lui. Donc voilà, 2-1. Donc 2-1 pour Paul. Hein. Donc 2-1 pour Paul, casse à lui. Non, c'est à Paul la casse. Là, on voit Yannick concentré. L'habitude d'un jeu en 7 ans. Oui. Ah bah oui, avec le BBM plus l'autre fédération. Oui, ça joue en 7 aussi, la catégorie master de l'autre côté. Plus effectivement toutes les compètes internationales qu'il a pu faire. Donc il a l'habitude de jouer avec de l'endurance et de nombreux matchs. C'est ça. Alors, au dernier championnat d'Europe à Malte, c'était en 5 gagnantes pour tout le monde. Donc, c'est une distance de jeu à ce niveau-là assez courte. Mais. Paul n'a rien rentré. Ouais, belle casse en revanche. Un jeu rouge. Après, une difficulté hein, quand même sur les rouges. Hein, pour le coup, si on part sur les rouges. Pas qu'elle passe non plus. Sans pas confiance. Je sais pas ce qu'il est en train de voir. Le bi sur. Non. Non, j'ai pas l'impression que. Ah si. Tu crois que c'est ça? Si, en fait, il cherche à faire le jaune, appui jaune pour rentrer la rouge. Oui. C'est ce qu'il est en train de regarder. Limite, c'est la seule difficulté qu'il a. Enfin, la seule. C'est la bille qui l'embête le plus sur la table. C'est ça, là, il l'enlève et maintenant, ouais. Il s'est ouvert complètement le jeu. Hein. Là, on a l'impression que c'est simple quand on le regarde jouer. Hein. C'est ça. Mais il a passé des heures et des heures et des heures. Moi qui le connais effectivement depuis très très longtemps. Yannick, ça a toujours été quelqu'un. Alors, effectivement, les gens qui le voient, ils pensent que c'est du talent. Alors, oui, c'est du talent peut-être, mais ça a été beaucoup de travail. Il a énormément travaillé. Quand il était plus jeune, il passait des heures à refaire le même coup. Fallait une sacrée passion, c'est une sacrée niaque. Et il est assez réputé, Yannick, pour avoir de la niaque. Hein. C'est ça, de toute façon, sans travail, on a beau avoir du talent. Ouais. Talent, ça fait pas tout. Hein. Bah, disons que ça a des limites. Ça a des limites. Mais en avoir un peu, ça aide quand même. Ça aide. Donc là, Yannick qui s'est plutôt bien mis pour jouer la rouge. Alors, il va jouer au milieu. Il va jouer au milieu. Il va la jouer au milieu d'abord. Ouais. Il décide de jouer la bille. Dans l'autre côté, dans la poche opposée. C'est vrai que quand on regardait comme ça, on avait l'impression qu'il aurait joué dans l'autre poche. En fait, elle passe. Ouais, alors, il faudra juste faire attention du coup au rappel bande. Moi, je pense pas qu'il va aller sur la bande pour le coup.
mise à jour. Ouais, c'est parfait. En plus, il passe entre les billes. Là, il se met dans la bonne position. Là, il va jouer, je pense, hein, la rouge. Qui est devant lui. Ouais, la rouge qui est au milieu des deux autres. Parce qu'après, c'est une question de logique. Après, il va jouer celle qui est à droite, en bas. Et après, il rejouera l'autre au milieu, je pense. Oui. Voilà, hein, il prend bien son temps. Regarde bien le point d'impact. D'autant que cette partie est importante, hein. Ça va lui permettre de remonter à 2-2. Ah, voilà, il y a juste à prendre la bonne quantité de billes, essayer de se décaler un maximum de la bande. Également se laisser la bonne dominante pour se replacer sur la noire. Voilà. Super, là il va pouvoir partir. Pause, tranquille. C'est ça. Et du coup, 2-2 là. Normalement. C'est vrai. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est ça, on aurait tendance à dire 2-2, mais on sait jamais, un c'est kick. C'est vrai, on se rend pas bien compte. Nous, on le sait quand on joue que derrière on a de la pression. Ah, on peut avoir un kick. Après, en plus, sur les billes, sur les poches du milieu, c'est pas facile hein, quand même. Oui. Mais bon, voilà quoi. Ah, parfait, là. Et oui, la bonne replace. Parfait. Je crois que c'est à Yannick de casser là. C'est à Yannick de casser en effet. Donc du coup, 2-2. Il recolle le score. Monté. Un arbitre tableau 14, s'il vous plaît. Donc l'arbitre de cette rencontre, c'est monsieur Patrice Lalande. Et donc, vous pouvez retrouver tous les scores en direct sur l'application Qscore. Donc, c'est une application qui vous permettra justement de voir tous les résultats en direct des différentes catégories de ce tournoi national. Notamment ceux du Black Ball Master. Donc là, pour information, Julien Leroux et Patrice Hélin sont à égalité sur 3-3. Allez Patrice! Allez, Pat. Cocorico pour les Bretons. Exactement, allez, Dinard. Ellie Christidi qui. Tu vois, regarde, on disait ça tout à l'heure. C'est rare quand il sort la blanche. Hein. Effectivement, elle saute souvent en plein milieu du tapis, mais là, par contre, il l'a fait sortir. C'est pas souvent qu'on la voit sortir. En tous les cas, qu'il fasse des fautes de caisse, c'est hyper rare. C'est ça, et en plus, avec deux visites, Paul, il a. Un sacré avantage sur cette table qui n'est pas... Bah, il a le choix, quoi. C'est ça, et la table n'est pas très... Et à ce niveau-là, très... quand t'as le choix... Ouais, la table des jaunes, elle est quand même... C'est une belle table. En plus, là, il fait le... Alors, il aurait peut-être pu faire un peu mieux sur le... Sur la place. Ouais. Mais... Donc là, il va jouer en haut à gauche, en rétro, se replacer sur le bas de table. Alors, il y aura juste la jaune là, qui est proche. Celle qui est vers la rouge ? Ouais. Ouais. Après, elle passe au fond. C'est ça. Elle doit passer même au milieu. Elle passe dans l'autre poche aussi. Enfin, non. Elle passe dans la poche au fond, plus la poche, je crois, au milieu. On ne voit pas avec ce plan-là. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'elle passe au milieu. Je pense qu'elle doit passer aussi. Mm. Ouais. Ah, quoique, regarde. Aussi, je pense. Je pense qu'elle doit passer, mais par contre, faut être vraiment. Faut falloir être super précis. Ouais. Il va jouer celle-ci, celle en. Hop.
Ouais, je pense que c'était plus la bille et la Iscola et la rouge, mais c'est pas celle-ci qui voulait jouer derrière. Là, il a de la, entre guillemets, voilà, un peu de réussite parce qu'il va pouvoir jouer celle qui se trouve au milieu. Par contre, la replace, elle va pas être si facile que ça pour le coup maintenant. Ouais, parce que c'est quand même pas évident. Non, hein. Là, c'est pas évident là. Autant il aurait que la dernière jaune là qui est vers la rouge, ça se fait. Mais là, la jaune qui est en bas là. C'est ça parce que. Ouais. Alors déjà, va falloir se replacer sur cette bille. Ouais. Et si jamais il arrive à bien se replacer, va falloir se replacer sur l'autre sur bille. L'autre jaune. Là, c'est un petit peu plus compliqué pour le coup. C'est un peu plus compliqué parce que dans tous les cas, il n'aura pas la bonne dominante. Donc la dominante, hein, pour rappeler un petit peu, c'est le bon côté de la bille. Ah, tu vois, ça va pas être facile là. Hein. Oui, donc là, vous voyez, là, il a pas le bon angle justement pour se replacer sur l'autre bille. En fait, il va plus s'éloigner. Je sais pas s'il va pas vouloir s'arrêter, tu vois, sur la rouge là. Tu vois, sur la rouge qui est vers la bombe. Ouais. Si la jaune part, je suis pas sûre qu'il. Je pense qu'il peut l'avoir derrière. Il va s'arrêter. Il s'arrête. Ah, même pas. Oh, là, super bien joué. Super bien joué. Super bien joué. Il a bien amorti son coup. Dès qu'il a tapé la bombe, t'as vu, elle a bien ralenti. Du coup, ça lui permet de la voir déjà. C'est ça. Et puis, l'empochage est pas très compliqué. Tu dis ça, toi, mais j'aimerais t'y voir, tiens. En tout cas... Oui, je suis d'accord avec toi. Pas très compliqué, il faut juste faire attention, justement, au replacement sur la noire. Ouais. Oui. Tu crois pas qu'avec... Enfin, il a joué une nature avec un peu d'effet à gauche, et il jouait la noire dans la poche en sens inverse. Ouais. Ça me paraissait un peu moins compliqué, quoi. Alors après, bon, après le risque du latéral, c'est faut compenser en fait sa visée. Ouais, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que quand on met de l'effet latéral, de la rotation à la blanche. C'est ça. Et en fait, on va devoir tricher sur justement le entre guillemets l'angle. De la bille. Donc point d'impact n'est plus le même. Donc il faut compenser. Je suis d'accord. Mais néanmoins là. Ça aurait été C'était dur. Hein. Là, il laisse l'opportunité à Yannick hein, pour le coup. Hein. C'est ça. Et puis même là, je pense qu'il va jouer la bille là qui est proche de la blanche et peut-être même en rétro venir directement en haut. Moi, je pense pas. Non, il va. Non. Il va jouer au milieu. Ouais, en fait, il va se replacer justement avec celle qui est proche de la bande en bas. Ouais. Pour remonter et jouer l'autre bille collée bande. Quand on a une lecture de table, en fait, il faut un maximum éviter de faire voyager la blanche. C'est-à-dire que on commence par un côté, on finit par un autre, dans le meilleur des cas. Et il décide de se super bien jouer. Oui, il vient aller chercher tout de suite, parce que la garder, justement, comme tu disais, pour la noire, ça nécessitait plus de voyage de la blanche. Alors, il va partir en carreau ou il va la couler un petit peu ? Il l'a coulé un petit peu. Ouais, il l'a coulé un petit peu. Je suis pas sûre qu'il ait le bon angle là pour se placer, non ? Faut qu'on revoie la table. Là. On a l'impression qu'il est un peu droit, non ? Ouais. Catégorie junior, deuxième demi-finale. Sur le billard 27, Calvin Créache, Evan Bido. Billard 27, Calvin Créache. Ouais, il était droit. Il était droit. Et en plus, il se colle à la bande. Waouh. Pas facile, là, par contre. Hein. Ouais, on sent Yannick. Il vient de souffler pour le comme il faut.
Il va dire, mais pourquoi, bon Dieu ? Alors là, je pense que le mieux, ce serait de forcer un tout petit peu son coup, au cas où si... Alors, bien sûr, le but, c'est pas de, de louper la bille, mais de penser à l'attaque-défense. C'est-à-dire, en fait, de remonter la blanche en haute table pour justement laisser Paul dans la situation où il pourrait pas jouer sa bille directement. Non, moi, je pense qu'il la joue, très sincèrement. Après, oui, effectivement, c'est, il a fait ce que tu as dit, hein. Après, c'était dur aussi. Hein, c'était freiner, difficile, oui. La bille. Hein, parce qu'il avait, il avait quand même de l'angle, donc naturellement, la blanche allait remonter. Donc, Yannick Bofis. Donc, rouge sur noir. La poche à droite, là, de l'écran. Oh, oh non. C'est... Oh non, Yannick. C'est pas aïe, 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 aïe. C'est pas le même match que, auquel j'ai assisté tout à l'heure, hein. En confiance, je peux vous dire qu'il avait rien raté. Il a raté une bille dans tout le match. Ouais, c'est pas une bille qu'on voit souvent. C'est pas le genre d'Yannick, hein, de rater ce genre de bille. Hein. Alors après, il laisse pas non plus un caviar à Paul, mais... Ouais, c'est... Voilà, c'est bien joué. C'est très bien joué. Ouais, il est bien Yannick... allongé. Il avait une belle allonge là quand il a joué sa bille. Ouais, Yannick, il peut s'en vouloir. Bah, elle, que... elle était quand même importante, celle-ci. Bah, c'est ça, parce qu'il est mené 2-0, il revient à 2-2, et c'est la noire pour le 3-2 pour lui. Donc, lui, après, dans sa tête, bon, ça. C'est en 7, hein. Oui. Voilà, tout est possible. Hein. Ouh. Ils ont décidé de nous faire des frayeurs au tournoi chaud, c'est un truc de fou. Bon, du coup, 3-2 pour Paul. Ouais, c'est... Parce que si Yannick mettait cette noire, lui, il était en confiance, du coup. Paul, et puis... moins. Et là, j'aurais tendance à dire que... J'aurais tendance à dire que, du coup... Dans la tête de Yannick, je pense que ça doit un peu cogiter. Oui, après, il a quand même de l'expérience. Hein. C'est pas... On sait que Yannick, ça ne lâche rien. C'est que 3-2. Hein. Oui. Il y a une partie d'écart. On n'est pas dans le cas de figure où il serait mené 6-0 ou 6-1. Où là, effectivement, c'est beaucoup plus dur de remonter. Bon, là, il y a une partie. Voilà. Après, c'est plus le fait d'avoir raté la bille qui est perturbant. Oui. Donc casse deuxième bille, Paul. Belle casse en poche. Oui, puisqu'il rentre la jaune. Une table, il rentre une jaune. Table jaune correcte. Pas d'énormes difficultés. C'est que moi j'aime pas casser deuxième bille. J'ai essayé et je suis pas fan. Alors moi, je casse deuxième bille, mais je me mets pas totalement en position. En fait, je me relève un tout petit peu pour avoir plus d'allonge et plus de... Plus d'impact, du coup. Plus d'impact et je... Et plus de puissance. Ouais, et j'ai un peu copié mon coéquipier de club, Pierre Damien Cause. J'en ai discuté un peu avec lui et j'ai essayé. Et... C'est pas mal. Alors moi, je trouve que ça éclate pas assez. Alors peut-être aussi parce que je suis une fille. Hein. C'est bien connu que les filles cassent moins bien que les hommes. Mais je trouve qu'effectivement, les billes ne s'écartent pas suffisamment et du coup, tu as moins de chances, on va dire, de rentrer une bille. Après, effectivement, pour la majorité des joueurs qui cassent deuxième bille, quand tu rentres, l'avantage, c'est que tes billes ne voyagent moins que quand tu casses sur la première. Résultat des courses, elles sont généralement mieux placées. Donc là, Paul qui a décidé de partir rouge. Sur les rouges. Hey, il se met pas. Il se met pas super bien là quand même. Hein. Alors c'est pas grave, hein, il va pouvoir jouer. Il va pouvoir jouer au milieu, s'arrêter dans la jaune. Non, il décide de jouer au fond. Il décide d'attaquer en haut. Il va peut-être virer la jaune, non, tu vois qu'il le gêne un petit peu par rapport à la rouge. Il prend pas mal de flèches. Regarde, tac. Ouais, super.
impeccable. Alors la noire aussi, ça va être entre guillemets, alors pas vraiment un souci, va juste falloir se replacer correctement dessus. Peut-être qu'il va venir la chercher, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, tu vois ? Ouais. Hop là, il la sort un peu. Du coup, ça y est, elle est placée. Elle est placée, là, il va pouvoir jouer au milieu, en bas à gauche, en bas à droite, la noire au milieu. Il va falloir faire un stop shot, c'est-à-dire un carreau, pour que. À moins qu'il ait un peu d'angle. Je pense qu'il a un peu d'angle. Juste à pousser du coup. C'est vrai que quand tu regardes comme ça, on dirait qu'elle passe pas. Hein. Ouais. C'est fou. Mais il doit passer largement. Ouais, il doit passer. Ouais. Ouais. Ouh, c'est fort. Oh, oh ça va. C'est fort quand même. Du coup, 4-2. Tu vois, la noire d'avant, là, Yann, il doit s'en vouloir, je pense. Bah ouais, parce que ça peut faire 3-2 pour lui. Et au final, il est mené 4-2. Alors, est-ce que les joueurs vont décider de prendre une pause ? La pause, ouais. J'ai pas l'impression. C'est pas la sixième qu'on prend, c'est pas la huitième normalement ? Non, je crois que c'est au bout de six parties que... qu'on a droit de prendre une pause. Ouais. Bon. Paul qui décide de... Petite pause. De faire une petite pause. À Yannick Lacasse. Donc... concentré. Hein. Ouais. On voit bien là. Ouais, plus important, c'est pas de repenser à la bille. Après, c'est facile à dire, mais quand dans ta tête, tu sais que tu devrais être à 3-3, c'est pas pareil que 4-2, c'est vrai. C'est ça. Puis disons que c'est une visée. Yannick, il connaît quoi. Il connaît bien les angles, il connaît une bonne maîtrise de sa blanche. Donc c'est vrai que je pense qu'il doit s'en vouloir un petit peu, je pense. Donc Yannick qui se prépare à casser. Alors, on a toujours l'impression quand il va casser qu'il va déchirer le tapis. C'est ça. Parce qu'en plus, il fait glisser sa queue de bière sur le tapis et il l'écrase. Et ça, j'ai notamment regardé Garrett Potts. On a carrément l'impression que sa queue de bière, elle se plie en deux. Oui. Bon, Yannick finalement a décidé de prendre une pause aussi. Donc Patrice en profite pour... donner un petit coup de nettoyage avec la brosse. Même pas, c'est avec son torchon d'ailleurs, avec lequel il essuie les billes. Donc Patrice Célin qui mène 4-3 face à Julien Leroux. Elie Christidi mène 3-2 face à Alexandre Buscetti. Et Ismaël Zegour et Alexis Klinka sont à 2-2. Je
Donc Yannick qui est revenu. Oui, Yannick a fait vite. Hein. Allez, c'est reparti. Et là, vous allez pouvoir revoir la casse de Yannick. Donc, toujours méticuleux, beaucoup de l'image. Et on voit hein, la blanche, elle saute. Ouais. C'est assez impressionnant parce que il me semble que c'est le seul joueur qui... On était sur la partie, tu sais, d'avant. Oui. Sur une des cases qu'il a fait tout à l'heure. Allez, c'est reparti. Il y a des joueurs qu'on fait une petite pause pour aller... Petite pause technique. C'est ça. Allez, Yannick à la casse. Allez Yannick, fais-nous rêver. J'ai tellement vu des belles casses tout à l'heure, j'ai trop envie d'en voir encore là. On voit un peu le visage fermé. Visage fermé, très très concentré. Donc Yannick avait fait demi-finale au tournoi d'avant. Ah, oui. Grosse casse oh, encore, mais la blanche qui vient directement se pas loger possible, dans la quoi. Poche c'est, du milieu. C'est impressionnant comme d'un match à l'autre. T'as pas la même casse quoi. C'est ça. Quand t'as pas de réussite comme ça, c'est vraiment pénible quoi. Et après un contre, hein, je crois, un petit contre malheureux là qui a poussé la blanche au milieu. Ça allait très vite, on va revoir la casse là. Et non, même pas. Même pas, en plus, elle a sauté. Sauté. Bon, la rouge l'a pas aidé hein, quand même. Hein. Elle a sauté et elle a atterri dans la poche du milieu. Oh, la table de rouge. Ouais, là, il va... Il s'est retrouvé un peu droit, quand même, non ? Ouais, alors peut-être... Ouais, il va la jouer en rétro, il va céder de la bande. Voilà. Ah, oui bah, son effet, c'est bien écrasé, hein, au contact de la bande. Ouais, c'est vrai que sur cette bande-là, c'est vrai qu'elle... je trouve qu'elle freine pas mal. Mm-mm. Mais il me semble que sur un suprême, les bandes sont un petit peu plus hautes. C'est ce qui explique la différence entre les deux billards. Je crois que c'est ça. Il faudrait demander à des spécialistes. C'est ça, moi je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'elles ne réagissent pas du tout de la même façon. Tant que joueuse, on s'en rend compte. Alors, il va se replacer pour laquelle ? Pour redescendre. Oui, ça passe. Je suis pas sûre que c'était celle-ci qui voulait jouer au départ. Hein. Non, j'ai pas l'impression non plus. Non. Je pense plus que c'est celle qui a juste derrière la jaune là-bas. C'est sur l'angle à droite là. Justement, celle qui. Celle alors qui là, il va peut-être pouvoir se replacer dessus de suite. Ouais. Alors par contre ça va être Ouais. Par contre il va jouer. Tu penses qu'il va la jouer tout de suite? Moi je pense qu'il a. Non, je pense qu'il va se replacer sur le long jet de bande. Au pire tu joues celle-ci, après tu coules un peu pour jouer. Ou alors tu joues en rétro pour venir tout de suite jouer la bikela. Ouais, il se replace direct sur le long jet de bande. Il a pas mal d'angle quand même. Ouais, il a un peu d'angle quand même là. Peu d'angle, mais ça se fait quand même. Ça se fait quand même parce qu'il va jouer pareil la rouge dans une poche en bas. Enfin, la dernière qui va rester. En rétro. Rétro bande. Et on voit hein, Yannick. Il était prêt. 5-2 s'il arrive à rentrer la rouge là. Après, bon, bien sûr, t'as la noire derrière, mais.
Ouh, on avait l'impression qu'elle n'allait pas rentrer. C'est un peu mieux tapé que celle d'avant. Mais, ouais. Elle a moins hésité. Hein. C'est ça, parce que j'ai vu Yannick qui était prêt à sauter sur la table. Aïe, 5-2. Ah là, la casse. La casse est déterminante. Qui rentre pas à la casse, en tous les cas, qu'il a pas le choix de la couleur. On est encore sur une reprise ferme de Paul. C'est ça, parce que sur il est pas aidé là. Sur les 3 casses ou 4 casses qu'il fait, il rentre 2 fois la blanche. C'est vrai. Donc, il a eu le choix une fois. Oui. Donc, pas facile. Hein. Donc, on voit un Paul. Alors, il est numéro 16 au classement. Avec ce tournoi-là, il va. Et les nombreux absents, il va grappiller des places. Il a l'air quand même serein, Yannick. Hein. Il montre rien. Hein. Oui, il reste quand même dans son match. Bon, tu me disais, là, moi, pardon, hein, j'ai encore mon collègue qui joue là. Patrice, il a combien, s'il te plaît? Alors. Faut bien que je te fasse travailler un peu quand même, non? Toujours 4-3. 4-3 pour Pat. Pour Pat, oui. Très bien. Allez, Pat. Ouais, grosse casse, grosse casse de la... Grosse casse de la part de Paul. Aïe. Et ça sent pas bon. Ah non. Alors attention, hein, parce que... Oui, après nous on dit ça, mais... C'est ça, on n'est pas sur la table. On n'est pas sur la table. Quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est super simple. Et quand on est sur la table, on fait... c'est pas si simple que ça. Mais là, il n'y a pas de difficulté. Il va jouer celle-ci, s'arrêter dans la jaune. Voilà, il va la placer en même temps. C'est parfait. Ouais, c'est parfait. Le coup, parfait. Voilà. Là, c'est parfait parce que... C'est quand même plus simple, quoi. C'est ça. Là, ça va être ce qu'on appelle une table d'école. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on va commencer par une partie de la table et on va terminer par la... Oh, c'est trop fort. Ah non, ça passe. Tu crois que ça passe, là? Avec cette vue-là, on voit pas, mais j'ai pas l'impression qu'il va la jouer. Ah, c'est embêtant, là, par contre. Hein. S'il la joue... S'il regarde, c'est qu'elle doit passer, non? Ah, peut-être pas aussi simple. Hein. Elle fait une petite grimace, là, Paul. Ouais, il a un peu glissé. Mais voilà, on va commencer par une partie de la table et on va terminer sur la partie qui va être proche de la noire, justement, pour on éviter... On vide le côté d'une table pour partir à l'autre côté. C'est ça. Et il va devoir prendre son extension de queue de billard. Et je pense par la même occasion, il a demandé l'extension aussi. Parce que là, 45 secondes, pas dire qu'il les a épuisées, mais on n'en est pas loin. Donc si, ça doit passer quand même. Ouais. Ouais. Et ça passe. Ça passe. Ouais, ça passe. Alors on voit, hein, cheval et paire de subi en longueur. C'est chaud quand même. Et ça doit pas, non, ça passe pas. Tu crois que ça passe pas? Non, j'ai pas l'impression. Ah oui, vu la tête qu'il fait là, oui, je pense. Et on entend Patrice qui annonce les 15 secondes. Ah oui, regarde, effectivement. Bon, il n'est pas collé à la roue, je pense pas. Mais par contre... Il fait faute. Du coup, faute, on rappelle comment ça se passe, du coup, Thibaut. C'est ça, en fait, là, Yannick bénéficie de 2 coups suite à la faute de Paul. Alors, un tir libre. Un tir libre et une visite. Et une visite. Donc le tir libre, pour vous donner un petit peu la différence par rapport à un coup classique, il a le droit de faire ce qu'il veut sur la table. Bon, bien entendu, pas rentrer la noire, sinon il perd la partie. Mais en tous les cas, c'est l'opportunité de placer son jeu. Ou alors, en fonction, bon là ce serait un peu compliqué parce que Paul a toutes les billes, il a très peu de billes sur la table, mais il peut aussi lui pourrir son jeu, comme on dit, de façon à lui laisser moins d'opportunités s'il revenait sur la table. C'est ça. Ah, oh, mon Dieu, faute de temps, c'est une blague. Aïe, 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 oh non.
Il a fait faute de temps. Je comprends pas là. J'ai pas compris. Bah moi non plus, j'ai pas compris. Ah mais il allait jouer les jaunes ? Mais non, mais il avait le droit de toute façon. J'ai pas compris, là, il s'est passé quoi ? Non, j'ai pas compris pourquoi est-ce que... Mais je comprends pas, il a repris toutes les billes ? Ouais. Bah. Non, là j'ai pas compris pourquoi est-ce que Patrice a repris les billes ? Bah Yannick rejoue. Non mais j'ai pas suivi là, ça m'intrigue. J'ai envie d'aller demander, je t'assure. Bah oui, parce que... Alors, faute de temps... Bah si c'était faute de temps, logiquement il passait la main. Donc c'est pas une faute de temps. Non, là je... On demandera après le match, mais... Il empoche. Allez Yannick. Ah ça m'intrigue vraiment beaucoup là. Est-ce que c'est pas Paul qui a cassé juste avant ? Non, hein. C'était bien Yannick qui avait cassé. Est-ce que c'était pas justement un problème de rotation de casse, non ? C'est bizarre, pourquoi il reprendrait la table complète ? C'est Yannick qui a cassé la partie d'avant. Ouais, peut-être qu'ils se sont trompés de casse. Peut-être qu'effectivement c'était à Yannick de casser et que c'était Paul qui a cassé juste avant. Ah non, parce c'est Yannick qui a cassé le... Oui, puisqu'il a rentré la blanche. Donc c'était peut-être à Paul de casser. Mais alors pourquoi il a cassé? Non, tu... Non, parce que là... on demandera après. On va arrêter les plans sur la comète, on sait pas, il faut se le dire. Donc on demandera tout à l'heure, on vous en dira plus. Voilà, très, très beau long de pont de la part de Yannick Beaufils, qui se laisse également l'angle du milieu pour aller décoller sa rouge. Mais ouais, ça m'intrigue quand même. J'sais pas. Arrête de rester dessus. On ne sait pas, il faut se le dire. Donc on ira demander. Voilà, c'est parfait, c'est nickel. Parfait, c'est très bien joué. Et ça, ça peut être une table qui peut le remettre sur... Qui peut le remettre dedans, ouais. Tous les cas, surtout au niveau score. Je pense pas qu'il soit... Non, je pense que mentalement... Mentalement, Yannick est très fort. Donc je pense pas qu'il a lâché, au contraire. C'est pas... Comme je le disais, le mot lâche rien lui convient bien. Donc... Donc Yannick Beaufils. Donc j'ai le fin mot, on vient de m'expliquer ce qui s'est passé, c'est que Yannick a repris la blanche. Sans demander à l'arbitre, et du coup il a perdu la partie, bah oui, puisque le match était arbitré. Et du coup il a perdu la partie. Aïe 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 aïe. Ouais. Ah ça fait mal. Donc je pense que là il doit être un petit peu énervé là. Donc là, attention, cheval est par-dessus bille, longue distance. Ça en poche. Yannick, tu me donnes des... des petits coups de chaud, là. Allez, pour la balle du 6-3. Ouais, allez. Aïe, 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 aïe. Allez, j'ai envie de dire, ça part de là. Mais attention, parce que c'est à Paul Lacasse derrière. S'il a un beau jeu, s'il empoche et que la blanche ne rentre pas... Là, c'est une épée de Damoclès, quoi. 6-3. Ah, tu sais pas ce que c'est, hein. Épée de Damoclès, ça veut dire que, voilà, il est quand même proche du but, Paul. Oui. Hein, on est d'accord ? Là, ça se joue, s'il est à la table, et bah, tout est possible, quoi. Bah, je t'aurais appris quelque chose, t'as vu ? Je me coucherai moins bête ce soir. Ouais.
Allez, Paul à la casse, deuxième bille toujours. Grosse casse. Très beau jeu rouge. Hein. Ah ouais, les rouges. Allez, Paul, par la table, on y va. Ouais, juste faire attention quand même à la rouge qui est proche des deux jaunes. Des deux jaunes, ouais, en bas. Mais le jeu rouge est très très bien. Et c'est là que tu te dis comme à l'entraînement à l'ego. Ouais, sauf qu'on sait tous que... Que l'entraînement, c'est l'entraînement. Voilà. C'est ça, c'est qu'en compétition, on peut avoir le bras qui tremble. Voilà, c'est parfait. Là, il va jouer au milieu, il va couler un petit peu. Pour jouer l'une des deux billes qui est en bas. C'est ça. Là, dans la tête de Paul, il faut absolument que je la ferme. C'est ça. C'est ça parce que s'il la prend pas, Yannick, et que Yannick la prend... Bah, ça fait 6-4. Ça fait 6-4. C'est pas le même résultat, déjà. Alors que là, bon, bah voilà, ce serait match terminé. Ouais, alors attention quand même, parce que je sais pas s'il a pris l'extension, Paul. Oh bah, je pense que oui, hein, parce que là, depuis le temps qu'on coupe à boîte, ouais. Là, hein, t'es bien d'accord ? Et puis de mémoire, il vient de casser, donc c'est une 30, hein. C'est plus long derrière. Et il a confirmé. Ah oui, donc c'était 45, donc il a dû prendre l'extension. Donc là, il va pouvoir jouer la bille qui est un peu plus en haut que celle qu'il est en train de regarder. Alors je sais pas par contre où est-ce qu'il veut la jouer ça. La jaune qui est près des deux jaunes. Ah d'accord. Ouais. Donc il va jouer au milieu. Et puis ensuite, je pense la jouer au fond ou au milieu. Celle qui est vers... On parle bien de la rouge qui est vers les deux jaunes. Oui. On est d'accord. À moins qu'il vienne sur les jaunes. Hein. À moins qu'il... Ouais. Qu'il vienne sur les deux jaunes, il aura toujours une bille à jouer qui est la rouge qui est au milieu de table. Moi, je pense qu'il va venir dessus. C'est bien joué. Et c'est bien joué. Je sais pas si elle passe. Par contre, du coup, si ça passe. Si. Si, la bille, qui est à droite d'une des rouges, il la joue au milieu ou au fond. Alors toi, tu jouerais laquelle ? Bah moi, pour le coup, j'irais celle qui est toute. C'est compliqué parce qu'on n'a pas tous la même vue. Ouais, j'aurais celle-ci, rétro, pour ensuite jouer l'autre au milieu. Voilà. Ouais, super bien joué. Ouais, c'est bien négocié. Bon. Ça sent la fin, là. Hein. C'est ça. Ah, la partie d'avant me fait mal. Et puis la noire qu'il a ratée. Wow. Là, je pense qu'effectivement, plus la casse, il avait pas... Et c'est surtout, en fait, la partie d'avant. Ouais, la partie d'avant. Alors, bien sûr, il y a la noire qui loupe pour le 3-3. Ouais. Pour le 3-2 pour lui, pardon. Bon, bah, victoire de Paul. Alors, effectivement, bah, la partie d'avant où il reprend la manche aux fautes sans demander à l'arbitre, plus la noire qu'il a ratée alors qu'il aurait pu reprendre l'avantage en faisant 3-2, plus bah, malheureusement le dieu de la casse n'était pas avec lui, tous les cas sur ce match-là. Là,
On le sent déçu, Yannick, là. Ouais. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Merci, Tatiana. Eh ben, merci, Thibaut. C'est un plaisir. De m'avoir accompagné. C'est un plaisir. Et puis, on va se retrouver... Très vite pour les demi. C'est ça. Donc, notre premier demi-finaliste, Paul Colric, se joue encore de l'autre côté. Donc, le match en quart, Julien Leroux contre Patrice Célin. On a aussi Alex Klinka. Qui mène 5 à 4 face à Ismaël Dzegour. Ouais. Alex Buschetti mène 5 à 3 face à Eli Christidi. Et notre breton, Patrice Célin, mène 6 à 5 face à Julien Leroux. Allez, Patrice. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez retrouver tous les scores en direct sur l'application Qscore. Allez, on vous donne rendez-vous peut-être plus tard. En tous les cas, bonne journée à tous. C'est ça, merci de nous avoir suivis.